Et on se réveille. Buvons, buvons, buvons. Églou, églou, églou. Rebienvenue. On a encore des calories, très bien. Alors, faut que je fasse attention à mes vêtements par contre. Ce que j'ai remarqué la dernière fois, ouais voilà, 49%, 54%, ouais. Il va falloir qu'on coue un peu. Il reste 3 jours, 3 doses à prendre, très bien. Un truc qui serait bien, ce serait qu'on ait un buff. Je sais que ça, on va pas l'avoir, quoique peut-être qu'il y a des nouveautés que je connais pas. Mais ça serait bien qu'on gagne en expérience le fait d'être malade et qu'on soit plus résistant, un truc comme ça. En tout cas, collecte de carcasses niveau 3, cuisine niveau 3, très bien. Allumage de feu niveau 1, on a toujours niveau 1. Il va falloir qu'à un moment ou un autre je fasse ce que je voulais faire. La dernière fois je voulais le faire. Mais on avait un gros... des grosses turbulences à l'extérieur, donc on pouvait pas vraiment faire un feu facilement. Mais ouais, je voudrais bien. Bah voilà. Voilà, voilà. Let's go. Je crois qu'il y a eu une aurore boréale pendant la nuit. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui... Ben je ne sais pas, le temps nous le dira. Ouh, je crois qu'il fait extrêmement froid. Moins 26. Ouais, je crois que c'est la fin d'une aurore boréale. Est-ce qu'il va faire juin? Moins 26? Ah ben merde. Moins 26, c'est bloqué à la maison. Voilà, moins 26, ça se traduit par bloqué à la maison. Je sais pas quoi vous dire. Donc voilà. Oups, attendez. Hop, 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 hop. Ah, très bien. Parce que quand vous regardez votre inventaire, vous voyez qu'on l'a déjà là. Mais c'est parce que c'est en train de se crafter. Donc le matériel, ils auraient dû le mettre en paquet en disant que c'est pour la fabrication. Peut-être. Et genre comme ça on peut le jeter, enfin on peut le poser par terre facilement. On va pouvoir le finir, hein. On pourrait le finir cet épisode là si on veut. Oh, comme elle se fatigue vite, ça peine 2 heures quoi, c'est pas... C'est vraiment pas énorme. Ah, ça y est, les trucs ont disparu. Starving. Donc il reste 10 heures. On va se balader. Encore une fois, sauf s'il fait super froid. S'il fait super froid, on se balade pas. Par contre, 35%. Je voudrais bien que les bois soient... se sèchent plus vite, honnêtement. On peut pas souffler dessus. Ce serait bien. Fait beau par contre, fait super beau. Non, il n'y a pas de truc à prendre. Pas de charbon. Fait super beau. Oh! Je sais ce qu'on va faire. Ça fait super longtemps qu'il n'a pas fait beau comme ça. On va en profiter. On va en profiter. On a bien une loupe sur nous. Ah oui, là c'est feu gratuit. Et vu qu'il fait froid, on va pas pouvoir vraiment se balader. Donc ce qu'on va faire, c'est bah, faire cuire la viande. Crafter, cuire viande, crafter, etc. etc. Yes. Parfait. Ah oui, non, là on en profite. Et je vais vous montrer la technique. De toute façon, comme j'avais dit, regardez ma dernière vidéo de la dernière saison. Je l'avais faite. Et je l'avais bien expliqué, je pense, le moyen. Donc on va faire ça, parce que s'il commence à... Il fait... Putain.
Why didn't that work? Parce que t'es empoté peut-être. Il fait froid, mais il y a pas de vent. On va pouvoir faire ça. On va pouvoir faire le feu. J'étais en train de me dire, j'aimerais bien avoir un dessin de ma mascotte. Ma mascotte Ellie. Non, non, me dis pas qu'il commence à avoir du vent. Faut vite prendre une torche et rentrer. Yes. Ok, le plus important c'est de faire du feu à l'intérieur. Une fois qu'on aura le feu à l'intérieur, on est bueno. On va rentrer à les fatiguer, ça c'est embêtant. Mais bon, c'est du feu gratuit, donc c'est pas grave. Il n'y a plus qu'un fagotin. C'est du feu gratuit, donc c'est pas très très grave, ok, hein. Même si on le fait pendant 2 heures, c'est tout gratuit, c'est tout bénef. That didn't work. Ouais, mais me dis pas que je vais devoir faire des fagotins, parce que la torche, elle va pas durer 3 ans non plus. Come on, little fire. Allez. Je disais, ouais, avoir un dessin de Ah, ça n'a pas marché. Non, attends, c'est quoi? C'est 2 minutes pour faire un fagotin? Fagotin, 5 minutes. Le stress! Oh, attends. On foutait le feu de la maison. Je savais pas si elle allait s'éteindre en fait. Je savais pas du tout si la torche allait s'éteindre, donc j'ai préféré prendre une qu'on avait de côté. Et ouais, un dessin d'Eli qui est dans la neige, nu, non je déconne, qui essaye de survivre et tout avec une peau de bête et tout, ce serait sympa. Perfect. Perfect. Bah du coup ça a marché en fait, pas besoin, celle-là on va la détruire par contre. Très bien, je suis assez fan, c'est vrai que d'avoir une mascotte et tout... Ça va paraître bizarre ce que je veux dire, mais tu peux lui faire faire n'importe quoi. Okay. Je suis peut-être un peu allé trop loin. Non, mais pour dire que après tu peux un peu imaginer ce que tu veux, tu peux demander des dessins par rapport à ça. C'est comme ce que j'ai fait par exemple pour Halloween. Normalement, je vais avoir un joli dessin pour Halloween. Je posterai sur le Discord sûrement. Ok, 2 heures. Très bien. Je posterai ça sur le Discord. Ce sera joli. Je sais pas, j'aime bien. Après, si j'étais un artiste, ça serait beaucoup mieux. Déjà, ça me coûterait beaucoup moins cher de faire moi-même les dessins, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que d'avoir son personnage, c'est plutôt marrant, c'est plutôt sympa. On va d'abord faire les gros steaks. C'est plutôt sympathique. Il y a plein de gens qui font ça, hein, je comprends. Hein. C'est assez addictif, on peut dire ça. Peut-être pas vraiment le bon mot à employer. Mais genre c'est ton personnage et tu... Et voilà quoi. T'en fais un peu ce que tu veux. Tu lui fais faire... Tu lui fais faire avoir des aventures, des trucs comme ça. Être marrant, je suis en train de perdre les pédales. Ce qui est embêtant, c'est ça. On n'a pas assez de fagotins. On va en faire plusieurs des fagotins de côté. Parce qu'on n'a pas, on n'est pas assez haut en feu. Donc du coup, on a toujours besoin de petits bois et ça c'est vraiment chiant. C'est pour ça que je voudrais monter niveau supérieur. Il reste combien de temps là? 21 minutes. J'ai vraiment envie de monter au niveau supérieur pour qu'on ait plus besoin des fagotins.
Très bien. Ça devrait être prêt. Ok, bien, bien, bien. On va essayer de faire plusieurs choses en même temps, donc je vais peut-être un peu moins parler. Le temps de prendre le rythme. Parce que là, on est un peu pressé par le temps, comme d'hab. Ok. 900. 900. Ok, bien. Oui, je sais, c'est lourd. Cool. Très bien. Maintenant, oups, pardon. Maintenant, on fait ça. La torche, elle a pas beaucoup de vie, mais bon. On va voir si ça marche. Faut que ça marche du premier coup. Si ça marche du premier coup, on peut le faire. On peut vite enchaîner les choses, en fait. C'est ça qui est bien. Ça m'embête d'avoir cette écorce, là. Parce que l'écorce est toujours sélectionnée en premier. Ça, c'est un peu embêtant. Ils auraient dû faire en sorte qu'elle soit pas sélectionnée en premier. Depuis qu'ils ont rajouté ces boissons énergisantes, là, qu'on peut faire. Enfin, c'est tisane. Énergisante qu'on peut faire avec ces écorces. Ils auraient dû faire en sorte que, du coup, bah, ça soit toujours les fagotins en premier. Genre fagotin, après tête de massette. Ah, très bien. Après tête de massette, parce que ça aussi, on n'en sert pas à part... à part le feu. Après journal. Je crois que les journaux aussi, on peut les utiliser pour le petit bois. Non, peut-être pas. Je dis peut-être de la merde pour ça. Donc on a 1h40 encore. Vous voyez ce qu'on fait là? Donc là, on craft. On monte la cuisine. Enfin, on fait pas que monter la cuisine, on fait à manger aussi. C'est important. On fait à manger, ce qui est important, et du coup on monte la cuisine, voilà, ça, c'est plus ça dans la logique. Et on augmente aussi notre feu, sans vraiment perdre du feu. Donc là on fait un peu tout en même temps. Ah, j'aurais dû garder les petits bois. Ah, j'ai fait une erreur. Bah, vous voyez que là, j'ai fait une erreur. On va faire ça. J'aurais dû garder les petits bois. Ouais, j'ai fait une erreur. On aurait dû utiliser autre chose que le petit bois pour alimenter le feu. C'est l'habitude en fait d'utiliser le petit bois en premier en fait. Parce que là à chaque fois on va devoir l'utiliser et là on en a plus que deux. Et vu que on est encore niveau 1, on a des pourcentages un peu pourris. Donc on risque de les perdre, les fagots, les petits bois. Mais bon, c'est comme ça qu'il faut faire en fait. Ça a marché ? Ah, ça a pas marché. Je sais pas, il y a eu les flammes. Ah non, on perd pas les petits bois, j'ai rien dit. Apparemment, non, on perd pas les branches, les petites branchettes. Mais on perd le bois, le petit bois, voilà. C'est plus précis ce que je viens de dire. Ah, that didn't work. Ouais, là, il n'en reste plus que 3. Mais les bâtons, non, les bâtons, on les perd pas. Ça marche. Si on met trop de temps, on va rentrer, crafter, et on passe... Come on, little fire. On passe un cycle sans faire du feu à l'extérieur parce que du coup j'ai envie de crafter aussi surtout. J'ai vraiment envie que... Voilà, très bien.
J'ai vraiment envie de terminer ce manteau. En plus là j'arrive à le faire pendant qu'on fait des choses intéressantes. Je fais pas juste crafter tout simplement. Donc honnêtement c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment cool pour moi. J'avais vraiment pas envie de jouer et juste à crafter quoi. Et faire une ellipse. Eh, regardez, on a crafté un manteau. Yeah. Non là en fait comme ça vous voyez tout. Ah, très bien. Je sais pas trop combien de temps elle peut durer encore la madame. Après, je sais pas quel bois utiliser en premier. Le bois qu'on a cassé des étagères et tout ça, ou alors du bois. Bois de cèdre et tout. Faudrait calculer. C'est vrai que j'ai jamais pris le temps en fait. T'es à combien de pourcents toi ? J'ai honnêtement jamais pris vraiment le temps de calculer par rapport au poids, à la durée du feu. Je sais pas qui est le plus rentable. Je l'ai toujours fait un peu à l'œil quoi. Donc c'est vrai que je pourrais faire ça. Bah dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Parce que j'ai jamais pris le temps de regarder moi-même. Très bien. Ça. Allumage. C'est parti. L'autre torche, celle-là à 9%, je crois bien. Celle-là, on va l'acheter. On va complètement l'acheter. Enfin, pas la jeter, la recycler, pardon. La recycler. Mais comme ça, ça sera fait. Allez, très bien, très bien, très bien. Très bien. Perfect. On aime bien se planter la torche dans le torse. J'ai toujours aimé, moi, ça. J'ai toujours aimé planter la torche dans le torse quand elle est allumée. Va falloir faire attention à notre endurance par rapport au le temps qu'on met de feu. Ouais, 2 heures encore, ça va. Je pense qu'on est bon. Je crois qu'on a fait tous les morceaux de viande. Les gros morceaux de viande, je parle. Je crois que on n'a plus rien à faire. On a que les petits, là, les deux petits à faire. On en... Ouais, j'ai rien dit. Encore. Ah oui, c'est bon. Ouais, on a encore ça à cuire, mais on est bon. Ça par contre, ça va aller très vite, donc... on va cuire et... aller allumer un feu. Alors du coup, attendez, parce que sinon on va perdre du temps. On va faire ça, recycler. Après, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est tirer directement une torche du feu. Bon, par contre, ça enlève à chaque fois 10 minutes, je crois. Ah, c'est que 7 minutes. Putain, si c'était au moins 15 minutes, ça passe. Mais... Ouais. On n'avait pas du journal pour faire des fagotins. Combien de fagotins ? 3. Vous voyez que c'est utile quand même le journal, mais c'est rare que ça soit vraiment très utile en fait. Là c'est parce que c'est à côté, mais sinon les petits bois ça marche aussi. Voilà, 5 fagotins, très bien. On a que 9 allumettes. Je les ai utilisés les allumettes ? Non,
très bien, il reste 1h30, puis c'est écrit en plus là. Faire ça. Ça. On va rajouter un peu de bois. Ça, je sais pas combien de. Je sais pas combien ça rajoute. Ça, je sais que c'est 30 minutes au moins. Voilà. Ça, c'est bien. Une chose aussi. Pardon. Une chose aussi, faites attention. Ça m'est arrivé des fois. Quand vous allumez une torche, comme ça, parce que là en fait on fait que allumer et éteindre une torche en fait, donc c'est, on fait beaucoup de fois l'acte d'allumer une torche. Et le risque, okay. Et le risque du coup, c'est de pas être devant la poêle et de faire allumer. Et le problème c'est que dans le jeu, j'en avais déjà parlé dans il y a quelques épisodes. C'est que la personne en fait va craquer une allumette directement. Donc une fois que l'allumette elle est craquée, bah elle est perdue, enfin, comme dans la vraie vie quoi. D'accord, on est d'accord. Et du coup ça c'est un problème. Ça c'est un peu dangereux. J'aurais bien voulu qu'il y aurait un moyen de ne pas avoir ce problème. Parce que il suffit de genre de mal viser et du coup bah à la place vous l'avez craqué une allumette quoi. Et bon, une allumette dans ce jeu là c'est pas, hein, c'est pas le fun quoi, c'est pas la chose qui est courante, donc ça c'est un peu emmerdant. Come on, little fire. Come on. Ça c'est un peu emmerdant, t'es sérieux? On va devoir les rentrer et faire les fagotins, t'es sérieux? Wow. Plus que un essai. Mais ouais, je voudrais bien un dessin. Ça coûte cher quand même de demander à des artistes. Après, il y a des artistes qui font des trucs. C'est rien qu'un dessin, vous pouvez dire, mais il y en a qui font vraiment des très belles choses. Qui font des très 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 belles choses. Et du coup, bah oui. Oh, I would do anything for a drink right now. Faut payer. Les émotes et tout, pareil, faut payer. Si vous voulez faire des émotes par un artiste. Mais c'est vrai que, voilà, comme je disais, par rapport au, quand vous avez un personnage que vous créez de toutes pièces, après vous pouvez leur donner un background, une histoire, des parents, etc. Un peu comme, c'est un peu comme du roleplay avec Donjons et Dragons, quoi. Je pense que les gens qui jouent à ça font exactement la même chose, hein. Ils créent leur personnage, puis après ils développent leur histoire. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Ils développent leur histoire. Et puis voilà, quoi. Là. Donc c'est plutôt fun. Plutôt fun. Elle n'est pas extrêmement fatiguée, ce qui est bien. Avant de dormir, on va devoir boire la tisane. Faut pas que j'oublie, parce que bon, sinon ça va être chiant. Bouillie dans 5 minutes, très bien. Du coup, si t'es bouillie dans 5 minutes, on va faire ça. Il reste encore 30 minutes. 30 minutes. Est-ce qu'elle est vraiment fatiguée? Elle peut durer encore un petit moment? Est-ce qu'elle peut durer encore 2 heures? C'est ça ma question. Ouais, je suis pas sûr qu'elle. C'était peut-être une erreur d'en mettre autant. Par contre, un truc que je voudrais faire.
9. Ok. Est-ce que je vais penser à les prendre ? Sale truc. Je vais les mettre là. Oh putain, je vais pas y penser. Voilà, là maintenant. Là. Vous saviez, vous rappelez qu'on avait découvert que... Oui, découvert que quoi? Découvert que si on avait 3 morceaux de viande, même cuits, on commençait à se sentir. Donc c'est pour ça que je les ai déposés. Ah, on est plein parce qu'on a de l'eau sur nous. C'est pour ça qu'on a du temps. Là, ça. Oh, très bien. Oui, parce que du coup, si on avait 3 morceaux, c'est pour ça qu'on va en garder que 2 à chaque fois. Et si on en utilise un, ben, on prendra l'autre. Et je les ai mangés pour qu'ils soient le plus petits possible. Donc ils sont à 0,09 en poids. Comme ça, on est tranquille. Je sens que ça va louper et je sens qu'on va devoir rentrer pour faire des fagotins. Je sais pas pourquoi, mais je le vois bien comme ça. Come on, little fire. Mais ah, le vent qui se lève. Mais ouais, ça avance bien là. Oh yeah, that's a good one. Et après, faudra, avant qu'on se couche, on regardera. Oh, je vais peut-être prendre la tisane maintenant parce que je vais oublier. Moi. Ah, 2 doses, très bien. Il nous reste tout ça encore, ça va. Qu'est-ce que je voulais dire? On regardera, oui, les niveaux de feu qu'on a augmenté. J'espère qu'on est un peu proche du niveau 2 au moins. 1h30, fondu dans 12 minutes. Fondu dans 12 minutes, donc ça veut dire qu'il manque encore 1 heure à peu près. Qu'est-ce qu'on fait? On va crafter. Je vais prendre 2 steaks sur moi, comme ça on n'aura pas vraiment besoin de chercher les steaks déjà. C'est un peu confus là, enfin c'est pas confus, mais comme j'ai dit, des fois il y a beaucoup de choses qu'on fait en même temps. La musique fait peur. Est-ce qu'on peut prendre du charbon là? Non, je crois qu'il faut faire un feu quand même qui dure longtemps pour avoir du charbon, pour créer du charbon. C'est par rapport à la durée du feu. Si le feu dure longtemps, bah, y a beaucoup de charbon, sinon bah non. Alors comme j'ai dit, ça... On peut le faire pendant la nuit parce que le feu illumine en haut. Très bien. C'est un peu dur de voir. Honnêtement, je dirais qu'elle... Je dirais qu'elle peut durer encore 1 heure. Mais je suis pas sûr. Ok, très bien. On va refaire un feu à l'extérieur et on arrête et on dort. Parce que sinon, ouais, si on continue de pousser comme ça, il va être la moitié de la nuit et tout. Sinon, ça va être chiant. Ah, et on a bientôt fini notre manteau. Il nous reste 4-5 heures, je crois. So hungry. Ah, merde, j'ai pas de... Ah, j'ai pas de truc.
Fagota. T'es sérieux, je l'ai jamais vu. Je vais juste faire un dernier feu parce qu'on n'a pas monté de niveau encore, donc du coup bah ça veut dire que ça n'a pas marché quoi. Enfin, ça n'a pas marché, on n'a pas, monté assez haut. Changer de torche. Vous voyez là, il faut bien viser. Ah, j'ai plus de... La blague. La blague. J'ai pas de petit bois maintenant. Je vais juste faire un feu. Avant qu'on se couche. Juste un. Juste un petit. Comme ça. Pour faire un dernier petit point d'expérience. Vous voyez, juste un tout petit point d'expérience. Mais j'ai vraiment envie de regarder comment on a augmenté la barre. On doit être peut-être au milieu. Je sais pas trop. Yes. Ah, très bien. C'est beau quand même. Enfin bref. On rentre. Ah, on pourrait crafter encore. Mais bon, on va peut-être mourir à un moment ou à un autre, donc on va peut-être pas le faire. Ça, on l'avait lu. Là, on a une belle, bel éclairage. Je suis content. Ok. Ah, on a des journaux là aussi. Ok, ok, on est bon. Pas qu'elle tombe dans les pommes non plus, on va manger. Alors attendez, faut manger ça. Et après on ira se rationner plus tard. Les jours qui arrivent, on ira se rationner. Parce qu'on va devoir après manger de la viande, de la bonne viande du coup. Alors, fais voir un peu le résultat. Allumage de feu, presque niveau 2. Ah, vous voyez, on a fait vraiment une très très bonne chose. Je pense que si on n'avait pas fait le fait d'allumer dehors, on serait sûrement à la moitié. Donc on est presque niveau 2. C'est très très bon. Si jamais demain c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il fait mauvais temps, ou alors peut-être beau temps, mais froid. Mais... on peut faire du feu gratuitement, je pense que j'essaierai de finir niveau 2 et on continuera à crafter et on finira le manteau, comme ça sera fait. Je pense qu'on fera ça, ouais. Si jamais on a la possibilité, on le fait. Plutôt cool, bonne journée, très très bonne journée. Et on se lève vite, buvons et bienvenue dans une nouvelle journée. Je dis ça, ça va sûrement vous paraître bizarre, mais il y a eu à peu près une semaine entre le jour d'avant et maintenant. Voilà. Donc, je voulais aussi en parler vite fait. On va regarder ce qu'on a dans l'inventaire. Je voulais en parler vite fait aussi. Je vois pas mal de gens qui me donnent des conseils et tout ça sur les commentaires et tout ça. Des vidéos. Si je laisse un j'aime ou que je vous réponds ou que je mets comme quoi j'ai... Vous savez, un cœur, je sais pas, genre j'ai apprécié le commentaire, un truc comme ça. C'est que je l'ai lu.
Mais je dois avouer que des fois, en fait, j'ai des vidéos d'avance, en fait, j'ai du... J'ai un peu de contenu en avance, et du coup, je fais pas directement ce que vous dites, ou alors je dis quelque chose, je continue à dire quelque chose, alors que, par exemple, j'ai faux, et que je... Et dans la vidéo, je demande, mais dites-moi dans les commentaires si c'est comme ça et tout ça, et qu'une personne me répond, et pendant encore deux vidéos, je dis exactement la même chose. C'est parce que, voilà, c'est parce que je fais les vidéos en avance la plupart du temps. Je fais les vidéos en avance parce que, si vous vous rappelez, la dernière fois, il y a eu pendant, genre, 3 semaines, pas de vidéo. Avec mes problèmes de santé et tout ça, c'est parce que j'étais à court de vidéos et j'avais pas eu le temps d'en faire. Donc c'est pour ça que j'essaye toujours d'en avoir d'avance. Donc des fois, du coup, bah oui, c'est vrai qu'avec les commentaires, c'est en décalage. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui prennent la peine de commenter. Ça me fait énormément plaisir et j'aime bien qu'on partage notre survie et comment on y joue. Il nous reste 2 doses à prendre, très bien. Donc je crois que niveau... Il nous reste 5 heures. 5 heures, c'est bien. On est déjà presque midi, par contre. 5 heures, c'est pas mal. Attendez, on était un peu lourd, là, non? On était un peu lourd. Ah, je crois qu'on est lourd parce que... Parce que on a le poids... Parce que je vois rien de très spécial. Ouais, on a ça. Voilà. On a le poids du manteau en plus. Ouais. C'est pas grave. 36. Ça fait un peu lourd quand même, 36. Ah, le vent souffle là-bas. Non, ça servait à rien. Honnêtement, je voulais me balader un peu parce que ça fait un petit moment. Enfin, pas énormément de temps, mais... On reste pas mal à la maison. La dernière fois, on a cuit beaucoup de choses et tout ça. J'avais vraiment envie de me balader. Mais... Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Y a pas grand chose. On peut pas faire. On peut. Ouais, non, on peut pas là. Est-ce qu'il faisait assez soleil pour faire un feu? Oui, mais bon, on n'a pas de viande à cuire. On peut toujours faire de l'eau. Bon, oui, oui. Ça, on est à 50-50, très bien. On fait quoi? On fait une journée conne? Alors moi j'appelle ça les journées connes, c'est les journées où bah, tu passes ton temps à crafter en fait. Parce que là on a 5 heures, on peut le faire d'un trait. Comme ça c'est fait. Ouais, non, je vois pas du tout quoi faire. Je réfléchis 2 secondes. Non, même si on peut faire du feu parce qu'il fait beau, ça nous servira à rien parce qu'on n'a pas de... On n'a que de l'eau à pouvoir faire. On a tout cuit la dernière fois. Il nous reste 1h30, très bien, on a bien avancé là d'un coup. Vous avez vu, l'heure, elles sont bizarres des fois. 44%. Il va falloir le tailler, hein. Il va falloir vraiment le tailler, l'aiguiser. Le couteau. Manteau en peau de loup 9. Bah du coup ça allait beaucoup plus vite que prévu. On a une pierre à aiguiser sur nous. La dernière fois je crois que j'ai fait exactement la même remarque. Ouais, on en a une, ça va. Et oui, parce qu'il faut faire attention à nos... à notre matos. Durée de l'aiguisage 17 minutes. Oh la vache. Je pense pas que c'était aussi long. Alors... alors lequel est mieux? Attends. Protection légère. Ça c'est la veste de ski. La veste de ski, c'est plus ou moins les mêmes stats. Sauf que elle... Ouais. Elle protège plus du vent. De la chaleur. Du froid plutôt, oui.
Et lui, il protège plus du vent. Lui, je crois qu'on arrive à 3 et 1. C'est 1 chaleur et 3 coupe-vent. Et ça, ça serait 1, 5 ou 1, 2. Et ça, ça serait peut-être 2. Donc on va garder ça. Et celui-là, on va le jeter pour le moment. On va le mettre là-haut. On va le mettre là-haut. Comme ça, on place les choses bien. Voilà. Très bien. Donc du coup maintenant on a le truc en peau de loup, ce qui est bien. Ça il faudrait le... Ah il va falloir le... Bon, ce qu'on va faire... on va encore rester un peu à l'intérieur. On va coudre. J'aimerais bien lire le livre en honnêtement. Ah 5 sur 5 on a déjà fait. On n'a pas d'autres livres de couture, je crois qu'on va avoir un. On a un livre de couture. Ah, c'est pas grave. On va directement coudre. Sinon, on va perdre trop de temps. Parce qu'il faut, il faut recoudre nos trucs. 40 minutes quand même. Hein. 40 minutes à passer. Putain. On va faire ça. Voilà, très bien. 60, voilà, ça va monter à 2 je pense, et ça c'est 2 aussi. Ouais. Merde. Alors, ça, tac, tac, tac. C'est vrai qu'il faut faire un peu attention à nos vêtements, ça fait très très longtemps que j'ai pas fait attention à mes vêtements. On n'a pas de tissu? Waouh. Wow. On n'a pas de tissu. Hmm, intéressant. Il va falloir qu'on en récupère. Alors je sais qu'on a pas mal de vêtements en haut. Qu'on a gardé, que j'ai gardé comme ça, juste au cas où, mais... Les chaussures, il faut du cuir. Les chaussures, on n'a pas besoin de les réparer pour le moment. Pour le moment, on les répare pas. Ouais, on n'a pas de tissu. Il va falloir que on se balade pour aller trouver du tissu, je pense. Parce que c'est vrai que ça, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Parfait. Ah, bah super, plus beau temps. Ça fait plaisir. Donc du coup, on est bien. Donc du coup, on est... On est pas mal. On est pas mal. J'ai envie de dire. Assez content. Ah ah ! Vous avez vu quand on n'a pas le... On n'a pas le vent. Pourtant, il doit faire froid. Hein. Hey, c'est cool ça. C'est bien, bien cool. Ça, c'est sympa. Bah, du coup, on n'est pas trop fatigué. Alors, ce qu'on va faire, on va encore crafter des choses. Je dirais quoi, des flèches. Ça, c'est à 55. Tiens, on peut crafter des flèches. C'est vrai que la dernière fois, on a crafté des fûts de flèches. C'est pas pareil. On n'a pas crafté... Je crois qu'on a 0 flèches. Je crois qu'on a... Ouais, on a que des fûts. Je sais pas si 3... On a le temps. C'est quoi? C'est 3 par... par flèche? Je sais pas quel outil elle utilise.
Oui, comme j'avais dit, oui, ça augmente les... Ça augmente l'arche. L'arche? C'était un mélange entre l'arc et l'archerie. De crafter des flèches. Je mets toujours 7 siècles pour trouver. Je sais pas ce qu'elle utilise. Je pense qu'elle utilise le couteau. Ou alors elle l'utilise sans rien. Genre elle fait des trucs. Ah, intéressant. Intéressant. Par contre, il va faire nuit, donc on va pas tenter, sinon on va perdre du temps pour rien. Bah en tout cas, on a des flèches. On a fait nos flèches. Flèche simple, très bien. Voilà, très très bien. Je crois que avant de dormir. Alors ça c'est un peu embêtant parce que à l'arrière de la tête j'ai toujours dans le fait qu'on a passé notre journée à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment pas bon. Vous voyez de pourquoi je dis ça. Vous savez très bien pourquoi je dis ça, parce que j'ai pas envie qu'on arrive à ce moment là où on doit dormir à l'extérieur. Sinon ça va être un peu la merde. Donc je crois qu'on va aiguiser notre couteau. Si je dis pas de conneries, il faut pas de lumière pour ça. On a de l'eau, on a assez d'eau. Ouais. Donc on va faire ça pour passer un peu le temps, parce qu'elle est pas extrêmement épuisée non plus. Il faut prendre notre dose aussi de médicaments avant de dormir. Et après c'est bon. Bah voilà. Donc c'est vrai que là on va pouvoir un peu se balader plus facilement, on va dire, on est moins en train à tomber sur des loups, enfin avoir des problèmes avec les loups on va dire. J'ai envie de retourner au barrage, dans ma tête, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me dit de retourner au barrage et je sais pas du tout pourquoi. Et ça me dérange. Parce que de mémoire il y a... On a fait le barrage. On a fait le barrage. Il n'y a rien là-bas. Et quelque chose me dit d'y retourner. Je pense qu'on va y retourner. Si là il fait chaud. Fait chaud. Oui, non, enfin il fait bon. Le jour d'après, là, la nuit, là. Après cette nuit, on va y aller. Ou alors, en tout cas, on va aller en direction du barrage, je pense. Je pense qu'on va faire ça. Ah, très bien. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Ah, très bien. Comme j'ai dit, après ça m'embête parce qu'on n'a pas encore l'arc. Mais bon, c'est comme ça. Ok. Ah tiens, je me suis mis sur ce lit là. Je sais pas pourquoi. Normalement, je me mets toujours sur celui-là là-bas. 25 jours. Très bien. Très très bien. Je me demande si on essaye pas de garder le... Si on n'essaye pas de garder le bonus. Vous vous rappelez le bonus? Ça serait quand même compliqué hein, de le garder en intrus. Hein. Ça serait quand même assez compliqué. Je mange ça parce que... Parce que j'ai envie du bonus. Non, je déconne. Parce que... c'est la dernière dose. Aujourd'hui, normalement. Donc... 66, ouais, ok. C'est quoi là-bas? Ah oui, les gants improvisés.
Donc, ouais. Et du coup, on va moins manger de viande comme ça. Il nous reste... Ouais, il nous reste ça de balle. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Je pense qu'on y va. Je suis en train de me demander, est-ce qu'on y va ou pas? On y va, c'est parti. Ah! Alors peut-être qu'il fera pas froid. Aïe, aïe, aïe. C'est pas qu'il fasse pas froid. Moins 15. Ou alors on se balade dans la forêt, mais bon, avec cette vue, je sais pas. Non, vous savez quoi, on va aller vers les... Comme j'ai dit, on va aller vers le barrage, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'aller vers le barrage, ok. Il y a les bungalows à côté, il y a peut-être des choses qu'on a laissées. Je sais qu'il y a des choses qu'on a laissées, je me rappelle plus quoi exactement. Je crois que c'est du métal. Peut-être du tissu. Donc on va y refaire un tour. Et on fera un tour directement dans le barrage aussi. Pour voir. Pour voir. Peut-être que des choses sont apparues. Je sais pas. Là, on est déjà à la moitié. Putain, il fait un peu froid. On devrait pas perdre trop de vie, je pense. Si on va assez vite, on se déplace vite. Là, on devrait arriver à l'accident, normalement. Je sais qu'il y a des loups des fois. Normalement les loups seraient en théorie derrière nous. Je vais moins parler. Okay. Ça aussi, prendre des petits bouts de bois. Parce que il y a eu pas mal de tempêtes et ça fait très très longtemps qu'on n'est pas allé sur ce chemin. Donc c'est vrai qu'on en profite un peu. La dernière fois on a épuisé notre stock. Ok. Avec ce temps, je fais attention quand même de toujours avoir un œil sur les rails parce que je connais on connaît bien l'endroit, mais bon, on sait jamais. T'avais rien. Il est là, ok. Ok, reste cool. On a toujours nos appâts. Risque d'entorse. Ah, elle fatigue. Ah, ok. J'ai cru qu'on est arrivé bientôt, mais en fait. Okay, on va prendre ça. Est-ce que je peux le gruger? Attendez. Attendez. Un truc, hein. Voilà. Mais bon. Je vous avais dit qu'on pouvait faire ça. Je vous avais dit. Hein. C'est pour ça que maintenant, si on peut, on en profite. Ah, on en profite complètement. Oh, I could eat a horse. On en profite.
Aussi, une chose que je voudrais voir. Alors, on a l'ours. Je sais qu'on a, l'ours. Donc, l'ours, on va se le faire. On va se le faire à un moment ou à un autre. Il n'y a pas de problème. Comme j'ai dit, ce sera plutôt avec l'arc. Parce que je sais. J'entends des. Des loulous. Parce que je sais pas combien de balles il faut. Ah, etc, etc. Combattre avec l'arc, ça va nous. Ça va nous donner plein d'expérience et tout ça. Donc, je préfère largement combattre avec l'arc. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et donc, on va pas faire l'ours directement, on fera d'abord l'arc. Voilà. On va créer notre arc. Ok, on rentre. Donc on va faire ça. Et après... ouais, on avait tout vidé là de toute façon. Ouais. Ça c'est vraiment parce que on a pas de... On n'a pas de tissu. Ouais, c'est vraiment parce qu'on n'a pas de tissu. Normalement, je l'avais dit de jamais le faire. De ne jamais... En fait, si vous ne pouvez pas récupérer du tissu seulement avec vos mains, je vous conseille de jamais le faire, du coup. Donc, voilà. Alors, on va avoir faim. Ouais, c'est vrai que ça passe vite. Hein. Ça passe très vite. Oh, je me suis pas baissé, merde. Oh, I need to find food. Ah, ça va. Je regarde s'il n'y a pas champignons à récupérer. Non. Ah, c'est vrai que ça va faire beaucoup de calories à consommer par jour. Ouais, non. Non. Non, on va pas le faire. Bien. C'est trop la merde. Non, ça deux par contre. Non. 45 minutes. On a un peu de ferraille, on a des... On n'a pas grand chose en fait. Hein. Je pensais qu'on avait laissé un tout petit peu plus. Bah merde. Ah, j'aurais dû prendre de l'eau sur moi. Waouh. Putain. Dans ma tête, on avait laissé quand même pas mal de choses. Mais apparemment, pas tellement. Il y a aussi, comme je disais, il y a un élan que je voudrais bien trouver. Et dans mon expérience, il se balade par là, là-bas. Mais je sais que ça bouge. Je sais que ça bouge, donc pas forcément. Les corbeaux qui sont passés. Je vois pas pourquoi je retourne au barrage. C'est inutile. Et nous revoilà ici. À cause de la petite voix dans ma tête. À cause de la voix dans ma tête. Qu'est-ce que je fasse? Je casse les caisses pour faire du bois. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Putain. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi ça? C'est rien. En plus, ça fout les boules d'être ici.
On a utilisé beaucoup de la hache ou pas? Elle était quoi, 94%, je crois. 3%, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même pas mal. Ah. Ah. D'accord. Pas mal. Je crois qu'elle disait damn it, genre, oh, je peux plus avancer. Je pensais à ça. Pour... Ouh, 39 minutes pour 6. Ok, on a peut-être utilisé pas mal de haches et on va peut-être arrêter. 85%, ok, on va arrêter. On peut encore casser des caisses, ça m'a mis. Ouais, ce que j'avais vraiment envie de récupérer quand même, c'était du tissu, hein, mais je crois que cette zone, c'est fini. Hein. Je crois que... Je pense que cette zone sert à rien d'y retourner, y a rien du tout. Bon, on a récupéré pas mal de bois. On a récupéré pas mal de bois, on n'a qu'à partir. Qu'est-ce que je sais pas moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Ok, parfait, il fait pas très froid. Donc bah go. Hein. Par contre, il y a du vent. Il y a du vent qui souffle bien sûr vers nous. Donc ça va être un peu la galère pour avancer. Y'a quoi là? Putain! Non mais... Elle est fatiguée. Ouais non, là on va rentrer tout simplement. Ah ça y est. Le vent s'est arrêté. Quoi le bruit? Ouais, non, on va... On rentre. On rentre, y a pas grand chose à faire. Juste me réchauffer. Fait pas très froid et au final ben. Enfin si on meurt pas sur la route, bon c'est déjà bien. Non mais si on meurt pas, si rien de mal se produit, c'est tout bénef, on a récupéré pas mal de bois là quand même. On a récupéré plein de. Une vingtaine de brindilles qui est pas mal. Et surtout du bois là, des caisses. Donc honnêtement c'est cool. Honnêtement c'est plutôt cool. On va peut-être pas en prendre plus par contre des brins. Oh, il y a tous les cerfs là. Oh la vache. Oh yeah, bien joué. Là on fait comment maintenant? Quoi ça, c'est un cerf ou un élan? C'est un cerf. Ouh, ça sert. Bon.
Évidemment, faut que le vent souffle exactement où on va. Ça c'est vraiment top. Hein. Oh là là. Qu'est-ce que c'est bien. Non, ça part pousser. Il y a plein de bois. Là. Je sais pas. Hein, qu'est-ce que c'est. Une force. Bonjour. Voilà. Bon ben on se rappellera que plein de cerfs. Ça serait bien. Tu veux pas venir vers chez nous? Tu veux pas venir vers notre camp? C'est pas très loin, faut juste passer la rivière. Bon, on a appris quoi? Qu'il y avait plein de cerfs partout. On peut... Bon, honnêtement, quand on va avoir l'arc, je vais être honnête, ça va être un carnage. Je vais être super agressif. Pour une fois, je vais être super agressif sur l'arc. Même avec la peur peut-être de perdre des flèches. J'ai un peu peur de... qu'est-ce que je vais faire? Non, c'est bon. Non, ça va, on va y arriver. J'ai sorti le fusil pour mettre une balle dans la bouche, en fait. Si ça jamais ça se passait mal. C'est pour ça que j'ai sorti le fusil. Non, c'est juste... je voulais regarder mes vêtements, en fait. J'ai l'impression que je prends le mauvais chemin. Je sais pas pourquoi. Et aussi qu'elle est super fatiguée, je viens de remarquer. Aurais-je fait une erreur? Je vais être honnête, je sais plus où on est là. Si on sort de ce labyrinthe, je pense reconnaître, mais sinon... Aïe, je crois que je pensais pas qu'elle allait se fatiguer aussi vite. J'aurais dû y penser. Ok, je sais où on est. Soigné, mais est-ce qu'on va en mourir? Je suis en train de stresser, je suis en train de me dire que j'ai fait une grosse connerie en fait. Le problème c'est que maintenant on est en plein milieu quoi. Donc trop loin pour revenir en arrière. Vous voulez qu'on prenne la corde, histoire de rigoler. Ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Y'a pas de problème. On a eu pire. Regardez, vous avez vu, on a trois icônes rouges, complètement rouges. Ok. Hein. C'est pas grave. Y'a des gens qui sont morts pour beaucoup moins. Bon, fallait pas dire ça.